Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Hollow Knight pour voir où trouver les troupes de Grimm et pour ça il faut se rendre à Dirtmouth et plus précisément dans les falaises hurlantes. D'accord? Donc je suppose que vous avez fini le jeu, c'est une quête de fin du jeu honnêtement. Je suppose que vous avez débloqué les falaises hurlantes, on s'y rend. Je prends le feu, enfin le feu, on n'est pas sur Dark Souls. L'ATP à la tanière des coléoptères. Hop. On monte. On saute dans le vide. C'est encore à gauche. On saute dans le vide. Encore plus bas. On casse ce mur ici. À cet endroit-là, d'accord, de la carte. On tombe en bas. Là, il y a un objet. Ok. On pète le mur ici. On pète le mur ici. Et là, on fait... Non, c'est encore à droite. Voilà. Examiner. Une dépouille. On fait un coup d'aiguillon. Là. Excusez-moi. D'accord. Ok, du coup, ça s'est allumé. Hein? Ok. Maintenant que vous avez allumé la torche, il faut retourner à Dirtmouth et il va y avoir une nouvelle tente qui va apparaître. Ça va être la tente des Grimms. Du coup, je me TP. Je rappelle le coléoptère. Je suis où ici? Repos éternel. On va à Dirtmouth. Et on va checker la nouvelle tente. Les frères seront là. Hop. Là, il y a un panneau pour indiquer que c'est à gauche. C'est là. Du coup, vous avez une tente qui est ici et une autre tente qui est ici. Ok? Hop. Je vais vous leur parler et vous commencez leur quête. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne à travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!